Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 13e épisode de la série Track Day. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une petite barquette, non pas de fraises, non pas de fruits, non pas d'œufs, mais bien une barquette britannique badgée à Radical SR8. 8, pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle est animée d'un V8 de 2,8 litres développant 460 chevaux. La Radical, une voiture qu'on a vue beaucoup dans certaines compétitions qui n'est pas vraiment dans une réglementation. C'est une propulsion, il faut savoir que c'est une boîte 6 vitesses séquentielle. Et chose assez intéressante, c'est qu'elle développe beaucoup, elle a un rapport poids-puissance assez important. Et le couple de cette voiture est juste monstrueux avec son V8. Sa vitesse de pointe est de 285 km/h, ce qui donne déjà envie d'être bien collé dans le baquet. Et particularité de ce moteur qui lui donne un couple si important, c'est qu'il est basé sur des pièces Suzuki Hayabusa, ce qui fait en fait deux 4 cylindres en ligne placés en V8, ce qui donne enfin deux 1400 qui donne un couple de 2,8 litres, ce qui est juste hallucinant. On va pas traîner trop longtemps à dire des bêtises, je vais surtout vous laisser profiter de ce son. Je vous rappelle simplement que la voiture et le tracé de Thruxton, le petit circuit britannique extrêmement rapide que j'ai sélectionné aujourd'hui, eh bien sont disponibles dans la description de cet épisode. Profitez bien et vous connaissez la règle les amis, montez le son. We'll be right back.